parlait de pêche à l'instant et on a une pêche terrible aujourd'hui. On est ravis de vous retrouver les amis. Merci encore une fois de nous être fidèles à l'émission, à votre émission de l'avant-match. Cette semaine, nous n'avons pas Evie. D'ailleurs, on l'embrasse. Evie s'est fait opérer la semaine dernière, tout va bien. Mais on a deux invités de choc. Un grand plaisir d'accueillir Guillaume. Guillaume qui est membre fondateur, pilier, enfin en tout cas pilier de la Populaire Sud. C'est ça, je ne me trompe pas. On est ravis. Fondateur, non, ouais, pilier. Bon. Donc, fondateur et pilier de la BSN. Fondateur, j'aurais... Vas-y, tiens, pardon. Fondateur, quand la BSN a été fondée, j'avais 3 ans, donc... Quand on était un peu prématuré. Ouais, 16 ans de BSN. Ouais. Mais tu t'es rattrapé depuis. Tu t'es rattrapé depuis en étant un des piliers de la BSN. En tout cas, on est ravis de t'avoir avec nous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça va être un bon moment pour toi aussi, avec, vu les résultats du club. Et je vais passer le micro maintenant, si tu veux bien passer le micro à Virginie. Nous avons Virginie avec nous. Virginie, directrice de la communication de l'OGC Nice. Merci de revenir nous voir une fois de plus. Merci pour l'invitation. Ouais, bon, pour que vous sachiez un peu, Virginie, c'est elle qui donne un peu le ton, quoi. C'est-à-dire l'émission... C'est toi qui nous valide, quoi. C'est vrai. Tu regardes l'émission chaque semaine et tu nous dis ce qu'on a droit ou pas de voilà, faire. Voilà, donc je pourrais me couper à chaque fois, ça n'ira pas. Et voilà, c'est ça. Tu as la possibilité de juger en live notre émission et ben, je crois que ça se passe bien. T'aimes bien ce qu'on fait quand même. C'est... Pour l'instant, il n'y a rien à dire puisqu'on ne coupe jamais. Donc, moi, j'essaye de faire un maximum de choses pour toi. Tu sais, c'est très important que ton regard soit exceptionnel sur cette émission. Tiens, je t'ai préparé un petit café. J'espère que tu vas passer un bon moment. On démarre. Il y a des pains au chocolat en plus. Derrière, tu veux pas ? Tu veux un chocolat dans les dents. Tu veux une bouteille de champagne ? On peut ouvrir une bouteille de champagne pour Virginie. C'est possible. On peut le faire. Quelle failleuse. Ouais, un peu failleuse, c'est vrai. On démarre avec les thèmes tout de suite et on se retrouve. Alors, premier sujet, comme des play-offs. Alors, comme des play-offs, pourquoi je dis ça ? Parce que c'est la comparaison qui a été signée par Fabrice Abriel avant le match Rennes-Nice, c'est-à-dire d'où l'importance, pour ceux qui connaissent un peu le basket, sinon Doumé va nous en parler, c'est un spécialiste. Vraiment, on est dans la phase finale et chaque match est vraiment primordial parce qu'il n'y a plus beaucoup de points à récupérer d'ici la fin de la saison. On en a 9 possibles. Là, c'est vraiment la dernière ligne droite. Peut-être, Doumé, tu démarres, s'il te plaît. Moi, je pense que Fabrice Abriel a raison, et je peux même dire, j'ai envie, on va rentrer même dans le money time, tout simplement. Pourquoi on peut parler de play-off, peut faire ce parallèle avec le basket, tout simplement parce que il reste 4 matchs et c'est hyper serré en haut du tableau, comme en bas, quoi. Donc, ça veut dire que, à part le Paris Saint-Germain, qui à mon avis sera champion, la deuxième place devrait rester à Marseille, mais ensuite la troisième place, ça va se jouer entre Lille. Entre Lyon et Nice. Je vois même pas Lille et Saint-Etienne disputer cette troisième place. Même si mathématiquement, c'est encore possible. Mais pour moi, à 3 journées de la fin, ça va se jouer entre Nice et Lyon. Guillaume, j'ai envie de donner la parole là-dessus, parce que bon, voilà, c'est évidemment une période où vous avez soutenu déjà toute la saison l'équipe. Mais là, plus que jamais, là maintenant, il y a vraiment un coup à jouer. Hein, on a un rang à tenir, on est bien placé, on peut faire quelque chose. Pour vous aussi, ça doit être aussi, d'une certaine manière, des demi-finales, ou en tout cas, pour reprendre l'expression de Fabrice Abriel, des play-offs, quoi, qui sont importants. Ouais, ben pour nous, d'être là, c'est extraordinaire, quoi. Même pour l'instant, comme l'a dit le coach il y a 2-3 jours, il n'y a rien encore, mais le fait d'y croire, d'être ici, supporter le gym, c'est une passion, c'est nos couleurs, mais ça n'a pas toujours été évident, quoi, puisque des grands moments, on n'a pas trop connu. Et on se dit, enfin, on est là avec les grands noms du foot français. On est dans le coup, quoi. Ouais. Et vous chaque êtes match, en plus présent à chaque match, alors que ça soit évidemment à domicile, mais aussi à l'extérieur. Je rappelais le fait que le week-end dernier, on entendait que les Niçois, pour ceux qui n'ont pas fait le déplacement. Mais il y en a beaucoup qui ont fait le déplacement. Et clairement, au travers, enfin, en tant que téléspectateur, on entendait que les Niçois. Donc, il n'y avait pas une grosse ambiance non plus de la part des Rennais. Mais c'est incroyable, cette ferveur qui a toujours existé à Nice, mais là, plus que jamais, vraiment, on peut s'éclater, ouais, quoi, avec l'équipe. Ouais, voilà, en tant sûr, que supporter, on peut sûr. S'éclater, ça c'est important. Jusqu'à maintenant, on supportait, voilà, pour nos couleurs là, on supporte pour accrocher quelque chose, et c'est quasiment pour tous, à part quelques demi-finales de coupe ou quoi, la première fois qu'un championnat, on est là, quoi. Alors indéniablement, je te remercie indéniablement, Poussin, on a fait la bonne opération du week-end, quoi, sachant que Saint-Etienne et Lille, ben, ces deux équipes-là ont en revanche, et ont laissé des points.
Oui, ils ont fait match nul, donc nous, on a repris des points sur eux. Mmh. Mais pour venir, comme disait Doumé, je pense que c'est plus le money time. C'est la fin du championnat. Il peut y avoir une belle récompense au bout. C'est une saison fantastique. Donc si on pouvait aller chercher une petite récompense, ça serait vraiment, comme on dit, la cerise sur le gâteau. Et j'aimerais souligner aussi l'accueil qui a été fait des supporters par rapport aux joueurs quand ils sont arrivés à l'aéroport. Mmh. Mmh. Je pense que c'est quelque chose. C'est j'ai vu ça, j'ai vu les vidéos. Je pense que voilà, moi qui n'étais pas à l'aéroport, rien que de le regarder, ça donne des frissons. Donc je pense que pour les joueurs, avoir un accueil comme ça, c'est magique. Mmh. La cerise sur le gâteau, je retiendrai ça. La cerise sur le gâteau, c'est sans doute toi. J'ai envie d'avoir ton commentaire quand même sur la possibilité que nous avons de faire le plein quand même de points dans les trois journées qui restent. Ouais. Bah donc le message est clairement de prendre un match après l'autre, c'est sûr. Mais bon, moi j'aimerais me souvenir de Claude Puel quand il est arrivé pour sa première conf de presse et qu'il nous a parlé de Ligue des Champions. Et on s'est tous un peu regardés les uns les autres, un peu dubitatifs, et on voit le résultat. Et on voit qu'aujourd'hui, on ne peut pas fixer de limite à cette équipe. Donc, c'est un vrai plaisir, un vrai bonheur. On passe maintenant au deuxième sujet. Donc on va parler des joueurs et des plus bankables. Et là, on va avoir ton analyse là-dessus. Donc là, on a découpé l'effectif en fait en trois catégories. Ben, il y a les tauliers d'abord de l'équipe. Ben, on a évidemment Didier, on a Renato, on a les stars montantes. Alors stars montantes, ben, l'emblème le plus marquant, c'est évidemment Dario. Petit jeu de mots sur marquant et Dario, voilà. Vous pouvez ne pas rire aussi. Et des jeunes prometteurs, donc on a Neil, on a Alexis et Valentin aussi. Valentin qu'on a reçu la semaine dernière. Il y a vraiment un panel, hein, j'allais dire, de joueurs et de qualité au sein de l'effectif niçois. Alors là, je m'adresse à toi directement, tu vas démarrer là-dessus, s'il te plaît. Les joueurs sont davantage courtisés, ça c'est une réalité, c'est une certitude. Alors comment tu l'expliques ? Ben, tout simplement en fonction des résultats, tout ce qui se fait autour du club. Un Puel est très courtisé, un River aussi aujourd'hui. Et voilà, ça dépend des résultats, de la mise en avant du club quand on est dans les 5 premiers. Alors, quels sont les joueurs qui sont les plus demandés en général par les médias, par la presse ? Ceux que tu as cités avant. C'est vrai que les petits jeunes sont beaucoup courtisés parce qu'on ne les a pas beaucoup mis en avant afin de les protéger. Ouais. Donc c'était une volonté du club, ça. Ah oui, c'est une stratégie du club de les protéger, de les mettre à l'abri de tout ce qui pourrait les faire un peu déconnecter du terrain. Après, voilà, un Renato Civelli est beaucoup courtisé. C'est un ensemble, vraiment. Mais ce qui a changé aujourd'hui, c'est que avant, on acceptait un peu tout ce qu'on nous proposait, on donnait tout un peu en pâture parce que notre but c'était d'être visible. Ouais. Aujourd'hui, on peut choisir, on peut savoir sélectif. Où on va. Et voilà, et donc il y a des discussions régulières avec le staff pour savoir comment est-il le joueur, est-ce qu'il est en état de forme ou pas, est-ce qu'on peut le solliciter ou pas. Donc au niveau de la presse, tu refuses Closer, Voici et Gala, je crois. Ça dépend des périodes. C'est ta liste noire. Non. Ben, ça dépend. Dario, à une certaine époque, était pas mal pour ce genre de truc. Dario, ça peut marcher. Dario, voilà. Dans un gala ou dans un pari match, ça peut être fort. C'est vraiment un équilibre qui est donné et il n'y a rien qui est fait à l'improvisation. C'est-à-dire qu'on est toujours en rapport avec le staff qui sent exactement comment sont les joueurs et est-ce qu'on peut les utiliser ou pas. Voilà. Bon. Tu veux bien passer le micro à ce monsieur qui a fait la couverture de FHN il y a quelques années. c'est quand même sympa aussi en tant que joueur, là tu peux avoir évidemment un regard là-dessus sur la médiatisation d'un seul coup d'une équipe à part nous niçois que personne n'attendait, quoi, tu vois. Non, mais je pense que Nice mérite aujourd'hui qu'on parle d'elle. Je pense qu'elle a fait une grosse saison et je pense que c'est bien de parler de Nice aujourd'hui. Et je pense que le résumé entre les tauliers, comme tu l'as dit tout à l'heure, ou les petits jeunes ou les surprises, je pense que c'est ça qui fait que Nice réussit aujourd'hui. Je pense que la mayonnaise a bien pris et c'est vraiment très plaisant à voir cette année. Bon, en tant que supporter, je ne vais pas te demander de me faire une liste de tes préférences parce que c'est un ensemble, c'est l'équipe que vous supportez. Évidemment, c'est d'abord l'OGC Nice. Les joueurs, eux, ils font partie de l'effectif, mais vous étiez là il y a déjà longtemps et vous serez là dans le futur aussi. Mais néanmoins, il y a quand même des têtes d'affiche. On parlait tout à l'heure de l'esprit et de certaines personnalités qui sont plus bankable que d'autres. Et ça, pour les joueurs, évidemment, pour les supporters, pardon, c'est important, quoi. Ouais, c'est sûr. Après, nous, nos petits chouchous, bien sûr, c'est Alexis parce que c'est un jeune du groupe. C'est pas évident de mettre en avant, comme tu dis, on supporte nos couleurs, tout ça. Après, des mecs comme Renato, parce qu'il a vraiment toujours mouillé le maillot, on n'a jamais trop entendu. Même des mecs qui sont pas trop mis en avant, comme Colo derrière ou Pešinović qui est toujours là présent. Après, bon, il y a Dario, la star. C'est, ouais. Voilà, ça devient une star quand il est arrivé à l'aéroport.
ça se battait rien que pour le toucher, quoi. Dans une autre dimension, quoi. Dans une autre dimension, c'est vrai. Devient un club sur qui il faut compter, quoi. Ouais. Alors, j'espère que ça va durer. Sur l'aspect communication, on va demander à l'homme de communication qui est en face de moi, comment ça gère la popularité de ces joueurs au travers de cette surmédiatisation qu'on est en train de connaître? Moi, j'ai parlé un peu de mon boulot, puisque je suis un mec de radio. Ouais. En fait, nous, on ne s'occupe pas de savoir si le joueur est une star ou pas. On s'occupe simplement de savoir si le joueur parle bien. Par exemple, quand Dario a marqué son premier doublé à Nice, nous, hommes de radio, on n'a pas pu interviewer Dario Svitanić parce qu'il ne parlait pas français. Et les traductions en radio, ça ne passe pas très bien. Les traductions, tu les fais quand tu as Cristiano Ronaldo ou Messi. Là, c'est par exemple, moi qui suis Monaco également, sur la radio cette année, je n'ai jamais passé Claudio Ranieri parce qu'il refuse de parler français. Et les traductions en radio, ça ne passe pas. Après, la presse écrite, c'est différent. Parce que la presse écrite, une petite phrase dans un papier suffit. Tandis que nous, en radio, il faut des interviews de 40-50 secondes. Donc si le gars, une, il ne parle pas français, ensuite s'il s'exprime mal en français, bon, on le dessert, donc on ne le passe pas. Moi, une petite anecdote, j'étais à Saint-Étienne vendredi, j'ai fait un joueur, je ne dirais pas si c'était un Bordelais, un Stéphanois, et en fait, cette interview, je ne l'ai pas envoyée à France Info, parce que le mec, au bout de chaque phrase, il me faisait une faute de français. Donc moi, je m'en fous, puisque ce n'est pas moi qui parle. Mais le gars, il s'arrête 5 minutes, il répond à mes questions. Ça, et après, on va passer, ouais, on va se foutre de lui. Il y a la barrière de la langue et la façon de parler. Par exemple, on va faire Colo Dezia, qui parle très, très bien. Donc on va le faire. Valentin s'exprime bien aussi. Et après, bon, après, on fait des joueurs. Si, par exemple, Fabrice Abriel parle très bien. Et Eric Botteac parle très bien. Et Virginie ne va pas me contredire. C'est souvent ces joueurs-là qui sont le plus souvent sollicités. Il y en a certains qui ne savent pas parler français. Pourtant, ils sont français. Et qui parlent après beaucoup mieux allemand, finalement. On ne citera personne. Salut, Francky. On démarre... juste avant qu'on repasse à la troisième thématique, c'est que j'aimerais te poser une question, parce que tu as parlé rapidement du président River. Alors, quelle est la place du coach de Claude Puel au sein de l'équipe, au sein de la communication, tout ça? Parce que je voulais juste revenir sur ça. Il est passé sur l'émission de Canal+, le Canal Football Club, mais assez tardivement aussi. C'était une volonté de sa part de passer. C'est une volonté de lui-même et du club d'attendre. De présenter un bilan aussi. Petit à petit, au début, évidemment, le coach vampirisait l'espace médiatique par rapport au président, parce que c'est un président neuf, donc qui était inconnu et tout. Mais petit à petit, les choses se sont rééquilibrées grâce au talent du président, je pense, tout simplement, et au fait que les gens ont compris, et ça aussi, je me plais à le rappeler souvent, si le coach est venu, c'est en fonction d'un homme, d'un discours. Et c'est le président River. Donc moi, je mettrais, voilà, vraiment les deux hommes sur un pied d'égalité, comme deux piliers du club, un pour le sportif et un pour tout le reste. Est-ce que vous savez qui sont les trois joueurs qui sont les plus demandés par les supporters dans l'opération Be My Team? Tu vas nous en parler juste après. Juste, je donne un élément sur l'opération Be My Team. Vous savez, c'est cette opération qui vous permet de mettre vos photos de supporters, à l'intérieur des numéros des joueurs, donc sur les maillots qui seront portés lors du match Nice-Lyon, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Alors, le top 3, vous avez une idée ou pas? Moi, je l'ai. Toi, tu l'as, tu sais ce que c'est? Tiens, vas-y, allez, propose-nous. Je sais pas, mais je pense que ça doit être Svitanić, ouais. Botteac et peut-être Kolozediak. Non. Bon, j'en ai deux sur trois. Sur les deux, sur les... Renato. Renato, exactement. Ah ouais, Renato. Ce sont les trois, t'en parlais tout à l'heure, Guillaume, ce que tu disais, c'est vrai que Dario, lui, il est en train de... Il a pris une dimension qui est interspatiale, mais Eric Botteac, qui fait une saison aussi exceptionnelle et qui est très appréciée. Et Renato, voilà, on parlait tout à l'heure de pilier de toi dans la populaire, c'est pilier dans la défense, c'est Renato. Ben quoi, c'est voilà. Ça, je ne connaissais pas du tout le top 3, mais voilà, ça ne m'étonne pas. Je pense que c'est les trois noms qui seraient ressortis, quoi, si on parle plus ou moins à droite, à gauche. Ça te encore, une fois, voilà, on met en avant et oui, mais c'est des un joueurs, bien sûr. Voilà, ça ne dénigre pas les autres, d'ailleurs, hein, constat, ça n'enlève rien, mais bon. Ils ont plus de visibilité par leurs actions, par leurs postes. Ouais, c'est sûr. Ouais. C'est aussi pour ça. Virginie, tu veux nous dire un mot quand même sur cette opération? Voilà, ouais. Juste une précision, enfin, voilà. Un petit truc en plus. Au-delà des supporters qui vont donc participer au match avec les joueurs, il y a nos 700 joueurs qui ont foulé la pelouse du Ré, qui vont partir donc à l'Alliance Riviera sur le maillot. Parce que c'est pas non seulement sur ce match Nice-Lyon, mais ça sera sur toute la saison prochaine.
La première saison à l'Alliance, en fait. Voilà. D'accord. Donc, c'est... les 700 joueurs, les 700 anciens seront sur, floqués sur les maillots des joueurs. La classe. Voilà. La classe. Ça te fait plaisir ou pas ? Ouais. Ouais, regarde, ça se voit. Voilà, c'était, on voulait juste parler de cette opération-là. On enchaîne avec le troisième sujet. Alors, Luigi Bruins, c'est un joueur qui n'avait pas joué donc, depuis 6 mois et qui a été propulsé plutôt que prévu avec la suspension de Valentin. Satisfaisant ce garçon, hein, parce que doué techniquement, il a très rapidement pris ses marques. Un mot d'abord de ta part, Virginie, comment ce joueur a été intégré au groupe et comment ça se passe, comment Alors, sans son acclimatation, voilà. Sans être démago, ça s'est passé de la même façon que les autres recrues, c'est-à-dire avec le même état d'esprit, la même humilité, donc très tranquillement, très bien accueilli par le groupe, par le club, donc je pense qu'il est épanoui à Nice. C'est un bon élément. Hein, c'est un bon élément dans la vie, sur le terrain. Il manque encore un peu d'assurance, donc il est encore un peu timide, d'où sa conf de presse en anglais, alors qu'il commence à baragouiner. Mais voilà, il est jeune, c'est normal. On va parler super avis positif. Je te remercie. On va parler après de la partie presse. Toi, je sais que j'ai senti que tu voulais dire quelque chose. Juste un truc, toi, Poussin. Il a été décisif. Là, on va parler vraiment de la partie technique. Il a été décisif sur les 2 derniers matchs, hein, puisque buteur contre 3. Et puis, il a été impliqué dans les 2 buts qui ont été inscrits par Dario à Rennes. Bah, c'est vrai qu'il a eu du temps de jeu avec la suspension de Valentin. Et je pense que c'est vrai qu'il a beaucoup apporté à l'équipe et ça reste encore un jeune joueur, mais c'est vrai qu'il a beaucoup de qualité et c'est intéressant d'avoir un joueur comme ça dans l'effectif. Doumé. Non, moi je voulais simplement signaler que Bruins, il ne faut pas oublier, qui est arrivé au mercato. Seulement, l'équipe tournait bien et je trouve que bon, il n'a fait que des bouts de match. Aujourd'hui, on le voit plus souvent parce qu'encore une fois, Valentin est suspendu. Mais c'est vrai que je trouve qu'il s'est très très bien acclimaté à l'équipe et ça peut être la révélation niçoise la saison prochaine. Simplement, c'est un joueur, que tu l'as dit, qui est bon techniquement, qui a droit balle au pied. Et comme disait Puel lors de sa conférence de presse la semaine dernière, c'est vrai qu'on a le sentiment que ce mec, il joue un peu en dilettante. Et Claude Puel disait qu'il faudrait qu'il progresse un peu physiquement, qu'il ait plus de niaque. Peut-être que ce Luigi est peut-être trop poli, trop gentil. Et quand tu joues en Ligue 1, la politesse et la gentillesse, il faut un peu la mettre de côté. Tout en étant correct. Ouais. Voilà. Guillaume, tu le trouves comment, toi ? Trop gentil ou t'aimes bien ce joueur ? Il a l'air un peu timide. Après, parler football vraiment à proprement dit, je préfère laisser la parole aux spécialistes comme Poussin, Virginie qui le côtoie au quotidien. Ouais, ça a l'air pas mal, mais voilà. Voilà, à voir, à confirmer. On laisse un peu de temps. Voilà. Mais en tout cas, bon, c'est plutôt une bonne recrue du meilleur général. Et ça, ok. Mais c'est surtout que Valentin avait un rôle qui était très, très important au sein de l'effectif et que Luigi se défend pas mal avec ça. On n'a plus de temps sur ce sujet. On passe au dernier. Donc, c'est le match de ce week-end puisque nous allons à Evian. Alors, outre l'enjeu de ce match encore de ce week-end, hein, on est dans la dernière ligne droite, c'est surtout, et il y a un point très important que je voulais soulever, et ça, là, Guillaume, tu vas intervenir là-dessus, c'est le déplacement massif des supporters qui est prévu. Ouais, alors là, il va y avoir, je pense que ça va être... ça va être énorme, là. Une invasion, ouais, je pense qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de monde. Une invasion, j'aime bien ce mot. ça va être des départs sur 2-3 jours, et ça va être une grosse fête avec, j'espère, au bout quelque chose, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du match de Lyon. Ouais. Mais ce match-là, à Annecy aussi. Mmh. Oui, parce que je dis Evian, parce que c'est Evian ton Gaillard, ouais, voilà. Mais c'est à Annecy. Va être important pour pouvoir les avoir, avoir Lyon peut-être à 1 point, 2 points, 3 points, passer devant, revenir à hauteur ou quoi, ça... Et votre présence va être essentielle. Alors, il y a des choses qui sont prévues particulièrement ou pas pour ce match dans les tribunes ou tu réserves la surprise ? On réserve la surprise. Tu réserves la surprise, d'accord. On est plein de surprises ici. Hein. On y reviendra après. Ouais, je l'avais. Mais je la garde pour la fin. Messieurs, ce match ce week-end, 3 points cruciaux pour les 2 équipes. Et oui, puisque Evian lutte pour le maintien et nous, on lutte pour... une place européenne la meilleure, quoi. Non, c'est vrai que Evian joue leur maintien, donc ça va être important pour eux. Mais pour nous, ça va être important aussi parce que
C'est vrai qu'il y a un match avant Lyon, mais si on pouvait recevoir Lyon et que ça soit un peu décisif pour les recevoir, ça serait bien qu'il n'y ait pas trop de points d'écart. Alors, je te donne, ça va peut-être aider en même temps. Tu sais qu'Evian est la 19e équipe à domicile. Quoi. C'est-à-dire que, Ah oui, non, c'est sûr qu'ils sont en difficulté. De toute façon, s'ils sont en bas du classement, c'est qu'ils sont en difficulté. Mais c'est vrai qu'on on est dans une bonne période et je pense qu'aller prendre les 3 points, c'est largement faisable. On parlait de Rennes la semaine dernière, lors de la dernière émission, dans laquelle on disait que Rennes était à domicile, c'était pas extraordinaire. Ils avaient perdu pas mal de matchs. Evian, c'est pire. Sauf que Rennes, la semaine dernière, j'ai dit, du reste ici, les Rennais sont en vacances. Voilà, bon, c'était une petite aparté. Rennes ne jouait plus rien, tandis que là, Evian, si Evian veut rester en Ligue 1, ils ont intérêt à battre Nice, parce qu'ils sont 18e, premier relégable. Ils ont, alors c'est vrai qu'ils n'ont qu'un point de retard sur le premier non relégable, donc Evian est obligé de battre Nice pour se sauver. D'accord ? Après, j'ai envie de dire, et je rejoins Guillaume, parce qu'on parle beaucoup Nice, Lyon, etc. Mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, le match le plus important, c'est celui d'Evian. Quelqu'un veut rajouter un mot là-dessus, sur ce sujet ou pas ? Non. C'est bon ? C'est terminé ? On éteint les lumières, alors. Juste avant les pronostics. Et la surprise ? Tout à l'heure, on a parlé de surprise, c'est ça. Est-ce qu'on ne peut pas l'annoncer encore, je crois pas. Mais j'ai raison ou pas de dire qu'il y a une surprise ? La boutique est surchargée par des appels pour le maillot de Messi pour l'année prochaine, pour des pré-réservations. Non, mais je sais que je suis un peu fautif dans cette histoire, mais il y a quand même une surprise ou pas ? Non, mais tu peux dire qu'il y a quand même une surprise. Il y aura des surprises, mais c'est surtout en premier lieu la possibilité de faire une vraie communion entre les supporters et le groupe, parce que je crois que cette année, il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé. Et oui, au-delà de ça, il y aura plein de petites surprises qui feront plaisir, je pense, à tout le monde. Il y aura mais, oui, mais ça, c'est évident, ça, on l'a dit en antenne. Mais Doumé, j'ai pas marché sur tes plates-bandes, là, c'est autre chose. Virginie, c'est notre patronne, je vais pas tout mélanger. Alors, ton pronostic, garde le micro. Ton pronostic pour ce week-end. Un petit 1-0. Je te remercie. Poussin. 2-1 pour Nice. 2-0 pour Nice. 2-0, tu dis ? Oui, j'ai pas dit pour Nice. Oui, on avait compris. Je vais dire 1-0 pour Nice. 1-0 ? Ouais. C'est frileux tout ça. Moi, je suis comme Guillaume. 3-0 ce week-end. Encore plus, tu vois. 3-0. Je le sens bien. C'est bon. Je n'ai plus rien à dire là-dessus. Virginie, la grosse surprise, c'est bon, c'est fait. Je vous dis à bientôt. Merci de nous avoir suivis encore. Merci à nos invités du jour, donc Virginie et Guillaume. Bonne chance pour la suite, pour cette fin de saison. Toi, eh ben, écoute, on te retrouve dans le parquage, dans le COP à Annecy ce week-end. Éclatez-vous bien, mettez le feu. Et nous, on se retrouve donc la semaine prochaine. À bientôt. Bye bye.